Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce coup-ci sur les argots. En premier, le argot MPUV, bien entendu, c'était l'un des deux qu'il y avait hein, au niveau de l'IAE. Nous allons donc le découvrir ensemble. Donc c'est un petit vaisseau de transport, soit de troupes, soit de marchandises, soit de prisonniers. Voilà, donc je l'ai laissé full ouvert bien entendu. Hein. Donc il est très austère, hein, il y a un bouton close door, press to open, bref voilà. Hein. Voilà, ça fait très big deal, je trouve, au niveau du bouton. Vous savez, les buzzers, les gros buzzers qu'ils avaient, ouais, ça fait moi, pour moi, c'est exactement ça que je pense. Un petit siège ici, histoire de surveiller ce qui se passe au niveau de la cargaison. Hein, un petit looping, il n'y a plus personne, hein, bref. Au niveau du cockpit, bah, c'est tout simple. Un siège, une manette et point barre, quoi. Hein, voilà, clairement. Donc, il a deux portes qui s'ouvrent, hein, ça nous a posé quelques préjudices, vous verrez dans le best-of, bien entendu. Vous avez également deux portes ici sur les côtés, est-ce que je peux essayer d'en fermer une? Voilà, donc il se ferme tout simplement en glissant, hein, voilà, comme les portières des voitures des années 2000. Vous savez, les camionnettes, là, voilà, c'est exactement pareil, hein, vous avez la barre coulissante et tout ça, tout pareil, regardez ici, là, vous voyez la barre coulissante, là, tout pareil que les camions des années 2000. Voilà, voilà. Bon, au niveau des portes, c'est vrai que ça fait plus Bugatti, comme ça, les portes papillons, tout ça, c'est classe, etc. Mais ce vaisseau n'a vraiment rien de classe, hein. Au niveau de la conduite, c'est une brique. Voilà, vous voyez une brique? Ben, c'est pareil. Voilà. Un petit peu moins bien manœuvrable. Vous voyez, j'ai décollé tout droit, les gens. Tout droit. Alors, heureusement, on s'est pas crashé ce coup-ci. Mais c'est vraiment une brique. Et quand je vous dis une brique, je rigole même pas. Hein. Là, j'essaie de le contrôler. Hein. Ah, on dirait que j'arrive à le prendre en main un petit peu là. Ouais. Ah non, mais vraiment. Bon, après, il y a du vent, tout ça, ça aide pas, c'est une voie badge. Mais bon. On va lui donner ça. Donc, on va plier les propulseurs. On va le mettre en position de vol. Donc, ce vaisseau n'a pas de quantum, bien entendu. Ah, sinon, c'est pas drôle. Voyez un petit peu à quoi il ressemble en vol, hein, voilà. C'est une brique. Et on est en train de s'écraser. Hop là, excusez-moi. Je remonte juste la pente. Hein. Ah oui, on est à 8 mètres par seconde. Engines too hot. Alors, ceci est un arbre, mesdames, messieurs. Voilà. Bon. Eh, mais il est vraiment incontrôlable, ce vaisseau. Hein. C'est incroyable. C'est une brique. Une vraie brique, voilà. Vous savez ce que c'est, une brique? Est-ce qu'il est capable de voler en stationnaire? Sans ça? Non. Ok, donc si je mets pas ça vers le bas, il est incapable de voler en stationnaire. Voilà. Donc cet argot MPUV, c'est une brique. Purement simplement, vous prenez un portugais, vous prenez ça, vous construisez une maison. Voilà, voilà, voilà. Franchement, de mon côté, c'est absolument tout ce que j'ai à dire sur ce vaisseau. Ne l'achetez pas, sous aucun prétexte, il sert à rien, voilà. Il y a un truc apparemment ici pour se docker, mais bon, dans 25 ans, quand le jeu sortira peut-être. Hein. Mais voilà, bon. Eh bien écoutez les gens, j'ai envie de vous proposer un truc, moi. On va peut-être passer directement à l'argomol. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, ce truc, franchement, il y a un seul truc à faire avec. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire avec. Hein. Voilà. C'est un très... Je suis sûr que ça fera un très joli feu d'artifice. Une fois qu'on se sera scratché, s'il explose, parce que c'est même pas dit qu'il explose, hein. Non, il explose même pas. J'arrive même. Même ça, c'est raté. Même le faire exploser, c'est raté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, on va laisser les engines refroidir. Et on va le faire exploser. Je vous jure qu'on n'arrêtera pas cet épisode tant que ce truc n'aura pas explosé.
Ouais, engine too hot, et puis alors il bloque pendant 25 000 ans, hein. 25 000 ans, voilà, engines too hot, on sait pas pourquoi, et le truc il est sur le ventre, les engines ils sont tellement bien refroidis, ils sont contre la neige, quoi, on sait pas pourquoi. Engines too hot. T'as mal au bras, tu m'étonnes. Ah mais attends, attends, on va essayer de monter un petit peu en altitude, on va tout couper et puis on va le scratcher, hein. Oh, je sais où est-ce qu'on va le scratcher, regardez là-bas, on a des cibles. Ça y est, là, je pense qu'on va arriver à le scratcher. Bon, ça va être un petit peu long. Contact, ouais, c'est les vaisseaux que j'ai perdu entre temps. Mais il est incroyable, il est pas stable en... La gravité, lui, ça lui a fait mal. Il faut absolument qu'il le rework, ce vaisseau. Il faut absolument qu'il le rework, ce vaisseau. Vraiment. C'est une urgence vitale. Ah, je sais, on va aller s'écraser dedans, Toto. En espérant que t'exploses, hein. En espérant qu'il explose, bien entendu. Alors, il est où le premier, là, qui avait bugué à moitié, là? Parce que, franchement, le best-of, il va être génial à regarder, hein, pour ces petits vaisseaux-là. Je vous le dis en toute franchise, ouais, il est là. Alors, j'espère ne pas le rater. Voilà! 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 C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire avec ce vaisseau. Vous voyez, ça fait un tout petit feu d'artifice de rien du tout. En plus, on dirait un pétard mouillé. Non, vraiment, vraiment, ce vaisseau, c'est non. Re à tous, eh bien oui, après la poubelle, voici la merveille, bien entendu, l'Argo Maul, le vaisseau de minage par excellence. Il est génial, il est juste derrière vous, il est beau, il sent bon, il est rouge. C'est pour moi l'un des meilleurs vaisseaux de minage, voire le meilleur vaisseau de minage du jeu. Admirez-moi cette merveille, cette folie furieuse, cette furie. Trois têtes de minage, une ici bien au milieu, et deux sur chaque, une sur chaque côté également, qui sont cachées derrière un petit bouclier. Bien entendu. D'un aspect extérieur, le vaisseau est beau, il cartonne, il est beau comme un camion, un poids lourd de l'espace. Mes amis, le Mercedes-Benz de l'Allemagne, sur les autobahnes. Yes! Il sent bon le rocher fracassé. Il sent bon la poussière, le régolithe de cette lune n'a qu'à bien se tenir, bien entendu. Voilà. Allez, voilà. Bon, on va arrêter les inviolés lyriques, hein, ça suffit. On va aller voir l'intérieur ensemble. C'est un vaisseau que je connais, hein. Je sais que j'ai beaucoup joué avec Pomme57, qui en a eu un pendant longtemps. Bon, là, il l'a échangé pour prendre des vaisseaux pour faire du fight, hein, de piraterie, etc., etc. Bon, libre à lui, hein, voilà. Et donc, voici l'intérieur. Ici, une petite partie technique, où c'est qu'il y aura très certainement, à l'avenir, un poste d'ingénieur, ou de mécanicien, ou je sais pas trop quoi. Oh, le bruit de ce vaisseau. Miam, miam. Ici, nous avons donc... l'accès à une douche, bien entendu, ainsi que à la première station de minage. De l'autre côté, ah ben c'est à peu près pareil, hein. Regardez, hop là, une douche pour se décontaminer la gueule, et la deuxième station de minage qui est ici. Ce vaisseau a tendance à me fermer les portes au nez, toujours. Ici, nous avons donc une échelle que nous pouvons gravir. Avec nos muscles saillants, bien entendu. Nous arrivons donc dans la cantine du vaisseau avec une jolie petite table, une radio, de quoi se faire à manger, de quoi se faire à boire, etc., etc. À l'arrière du vaisseau, nous avons donc deux douches, trois douches même, et les quatre couchages, puisque rappelons-le, ce vaisseau peut aller jusqu'à quatre membres d'équipage en son sein. Ici, nous avons donc la salle de bain complète, naturellement. Ah, mais c'est pas open door que je veux, c'est sors-moi les toilettes.
Voilà, avec le siège de toilette rabattable, hein, sans oublier le petit rouleau de PQ. Ici, nous avons donc ben, la fontaine, hein, voilà, le lavabo. Ensuite, à l'avant, ici, nous avons le poste de raffinage. Parce qu'à ce qui paraît, ce vaisseau est censé pouvoir raffiner. Hein. Dis-moi si je me trompe, Speedy dans le chat. Mais pour moi, ce vaisseau est censé pouvoir raffiner. Hein. S'il y a ça, c'est que, à mon avis, ça, ce sont des raffineurs. Donc ici aussi, il y aura certainement un poste de technicien du raffinage. Nous avons l'accès en dessous à la troisième tête de minage. Et pour finir, Impérial, le pont. Le pont de ce vaisseau avec un poste de pilote, un poste de copilote, bien entendu. Hop là. Allez. Bon. Merci. Alors, nous allons allumer les réacteurs. Engines on. Et décoller. Et voilà. Donc ce vaisseau dispose naturellement de plusieurs modes. Hein. Il y a le mode pour faire du stationnaire avec ce réacteur-là qui est vraiment ben, vers le sol, hein, forcément. Alors attendez, parce que là je suis en train de faire l'idiot. Voilà. Et justement, bon, j'ai repéré ce petit rocher ici. Bon, il est pas, les minerais dedans ne sont pas intéressants du tout. Hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu également comment se passe le minage. Donc je sais pas si je vais arriver à le faire. Alors... En général, dans ce vaisseau, il vaut mieux être 2 ou 3. C'est un minimum, je dirais. Hop là, on va se mettre par là. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Voilà, on va remettre l'assiette droite. Et là, donc quand on est tout seul à avoir un argomode, il y a des gens qui minent tout seul un argomode. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est quitter le poste de pilotage. Descendre ici donc au poste de minage, troisième poste de minage, c'est que je vous avais pas encore montré. Rentrer dans la tourelle de minage. Les deux portes se ferment, ça se sépare un petit peu. Oh, je suis pas trop mal. Hop là. Et là. Là. Logiquement, on est censé pouvoir... Alors, faut que je turn on, excusez-moi. Voilà. Et là, vous voyez, on peut miner. Alors, on va tenter... Oula, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas miné un argomole. Il pèse 3300, donc il est tout à fait faisable, même avec les têtes pourries qui sont équipées dessus à l'heure actuelle. Donc, pour miner, c'est très simple. Vous faites chauffer le rocher. Hein, c'est un obsidien imposé, il y a du béryl, du corundum dedans. On va récupérer pour la forme parce que franchement, après ça, je vais aller à... On va aller à Port-Lissard pour la suite des vidéos. Hop là, là ici, on est dans le vert. Et le but du jeu, ça va être de rester dans la zone verte du rocher. Donc, la meilleure tête au niveau du minage qui existe, c'est la tête Helix. Dans la tête Helix, il faut savoir que le rocher, il pèse 3300 de masse. On se mettrait à 33%. Ici, ce sont des têtes un peu plus pourries, donc qui nécessitent un peu plus de puissance. Le rocher se fracture. Ouais, le rocher se fracture. Donc là, maintenant, il faut l'analyser. Hein. Lui, ici, il y a 25% de corundum. Ici, il y a... Ah, rien du tout. Bon, ben 25% de corundum, on va le prendre. Hein. Il pèse 328. Donc, je vais attendre qu'il me finisse l'analyse afin d'avoir les rocs, les niveaux du rocher. Il a pas l'air d'avoir envie. De me donner le niveau du rocher. Je vais l'estimer. À peu près par là, je pense. Peut-être un petit peu plus. Il m'a pas l'air de chauffer, là. On va essayer de monter à 25%. Non plus. Alors si ça explose, on explose. Hein.
Ouais, là je sens qu'il chauffe un petit peu le rocher, vous voyez. Donc je dois pas être loin. C'est aux alentours de 30% qu'il est à peu près. Ah, le fracturing sensor ne monte toujours pas. Ça y est, là je suis dans la zone. Voilà. Donc ça arrive, hein, c'est des petits bugs d'affichage, bien entendu. C'est pas très grave. Alors, je sais pas où sont partis les rochers, mais ils sont partis. Bon. Alors, est-ce qu'il veut m'en donner un en entier? Inerte. Bon, celui-là, il y a 50% de corandum, on va essayer de ne pas le rater. Et après, je vous lis le texte de Spelly. Voilà. Et là, une fois qu'ils sont comme ça, on peut passer en mode extraction et ramasser le minerai. Donc vous voyez ici, 112 kg de minerai, ça remplit 2%. Bon, je vous dis, je vais tout récupérer. Hein. Tant qu'à y être, voilà. C'est vraiment tout pourri, hein. C'est du corandum, c'est vraiment vraiment tout pourri. Hein, mais je mine ce caillou en fait et je m'en vais, donc... J'en ai un petit peu rien à faire, quoi. T'as même l'inerte, vous voyez, je vais prendre. L'inerte, il ne faut jamais le prendre, hein, bien entendu. Mais bon, moi, j'en ai un peu rien à faire, donc... Je compte pas faire une vraie session de minage, là, maintenant. Mais le petit caillou dessous, là, je le verrai peut-être. Ouais, je le vois. Ouais, c'est de l'inerte, ça c'est de l'inerte, ça c'est de l'inerte, et ça... Alors là, voyez-vous, je vais être bien embêté, parce que si jamais je voulais miner davantage, bah, il faut que je retourne bouger le vaisseau, parce que bah, là, j'ai plus que des inertes devant moi, le vaisseau, le caillou en dessous, là, j'arrive pas à l'avoir, donc il me faudrait vraiment un pilote supplémentaire pour pouvoir reculer, etc., etc., quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu comment se passe le minage, en molle. Donc on peut être jusqu'à 3 personnes qui mineront en même temps. Et ensuite, moi ce que j'ai pris pour des systèmes de raffinage, en fait c'est un système de triage de matière, car le vaisseau, ce vaisseau de minage, peut être utilisé à tête de minage, donc 3 joueurs, et il est possible aussi de jeter la matière non voulue dans l'espace. Donc ça en fait c'est un système de tri. Je pensais que c'était des raffineries, mais non, en fait non, c'est un système de tri. Voilà. Donc c'est pas des raffineries, autant pour moi, ces systèmes-là permettent de trier les minerais et de ne conserver que ce qui nous intéresse. C'est bien ça, Spelly? Est-ce que c'est bien ça, Spelly? Voilà, il m'a dit oui, c'est parfait. D'ailleurs, vous avez le chat hein, qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Donc maintenant que l'on a miné, ben on va aller vendre notre précieuse cargaison, hein. Voilà. Alors juste, je vais le stabiliser. Voilà. Vous faire une belle vue de l'extérieur, bien entendu. Un petit peu dézoomé, histoire d'eux. Donc là en dessous, vous avez les 8 cargos de minage. Hein, les 8 cylindres, où c'est que se remplissent, qui vont se remplir de minerais. Je vais y arriver. Et donc ben, c'est à ça qu'on va vider directement dans les stations. Allez, on va aller à Port-Olisar pour que je vous montre comment ça se passe, la vente du minerai. Nous voici arrivés à Port-Olisar après un petit voyage. Hein. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, soit j'allais faire un cut, soit j'allais faire un accéléré, je sais pas encore. Je pense à un cut, vu la longueur que ça prend quand même de voyager dans Star Citizen. Donc j'aime bien Port-Olisar. Hein. Personnellement, c'est là où c'est que je suis la majeure partie du temps.
Hop là, il y a un petit sas ici où c'est qu'on met de l'air. Et pour vendre votre minerai dûment acquis, vous allez directement là-bas. Et sur les deux côtés du mur, ici et de l'autre côté pareil, vous avez accès à la raffinerie qui permet de vendre les minerais bruts. Donc, ben, Argomol, hein, on voit que j'ai trois fois rien. Vous voyez, j'ai vraiment trois fois rien. Le minerai que j'ai miné ici, le corandum, de nouveau, absolument rien. Et on le vend à la raffinerie. Et là, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent dans le jeu. Got it. Donc, vous pouvez voir, hein, le prospecteur permet de stocker 32 unités. L'argomol permet d'en stocker 96. Logiquement, ça devrait être beaucoup plus que ça. Il devrait pouvoir en stocker 144, un truc comme ça. Bref. Et donc voilà. Donc une fois que j'ai vendu mon minerai, ben, je vais ranger mon argomol et puis terminer. Hein. Mon argomol, je le store. Et là, comme ça, il sera là. Moi, personnellement, je mine beaucoup en prospector. D'ailleurs, je vais vous le sortir juste pour la forme, même s'il y aura une exposition qui va le comprendre. Hein. Je vais juste le sortir histoire de vous le faire voir. Alors, B07, c'est là-bas. C'est vraiment histoire de vous faire voir à quoi ça ressemble. On va être parfait, cycling. Il y a quelqu'un qui rentre. Ah non. Ah, 07, on a dit. Donc voilà. Le prospector, c'est ce vaisseau-là. Donc, ben, tout ce qu'il faut. Hein, une seule tête de minage, bien entendu. Que l'on peut remplacer. Une grande baie vitrée à l'étage. On va pas voler avec, hein, je vous rassure. On est sur la fin de cette vidéo parce que celle-ci a été plutôt longue. Présenter l'argomol, c'est un gros vaisseau. Donc, ça prend en effet plutôt un bout de temps. Hein. Il est déjà 1h25 du matin, d'ailleurs. Donc, à l'intérieur, ben, vous avez un très très joli cockpit qui est totalement suspendu. À l'arrière, vous avez une petite zone d'habitation, un lit et quelques facilités, hein, à savoir une douche et un lavabo, douche chiotte lavabo ici. Et c'est tout en fait. Et là, vous avez accès au panneau. Enfin, prochainement, on aura accès à ce panneau-là qui devrait s'ouvrir. Et ici aussi, ça devrait s'ouvrir pour le jump drive, le gravité et les refroidisseurs. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc à faire avec lui, c'est qu'on peut directement sauter avant que l'échelle ne tombe. Ce qui fait que l'échelle tombe, il rentre directement. C'est plus rapide. Et ça ne prend pas de dégâts. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo sur l'argomol et sur les vaisseaux Argo de façon générale. J'espère qu'elle vous aura plu. Naturellement, si le jeu vous plaît, pensez à utiliser mon code référal qui est en description de la vidéo. Je vous en remercie grandement. Pensez à laisser commentaires, pouce bleu, pouce pas bleu, ce que vous voulez en dessous de la vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao les gens.